Bellizer House. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Alors aujourd'hui j'ai un petit thé parce qu'il est 9h16 du matin et c'est pas une heure à laquelle j'ai l'habitude de me lever. Donc si vous m'entendez boire du thé, c'est tout à fait normal. Alors, on a reçu une quête. La lumière. Ici, et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, Ravenvir, le fidèle apprenti de l'archimage Vargoth, vient d'arriver dans le hall du gardien avec un message urgent de son mentor. Il vous attend à l'étage. Vous feriez bien d'aller le trouver au plus vite. Adieu. Intéressant. On va en profiter pour faire un petit truc de quête. Ouais, les 150 points. Subissez le courroux de Kalegos. Voilà. On en a pour combien de temps? Pour 4 heures. Donc ce sera pas fini. Ce sera pas fini avant un moment. Avant 4 heures au minimum, en fait. Bon. Ensuite, on ira terminer. Enfin, continuer nos quêtes à Valshara. Voilà. Alors. Apprenti en chef du Kirinta. Nous nous sommes déjà rencontrés, votre tête me dit quelque chose. Votre champion a découvert une puissante magie émanant de la très discrète enclave de la société empyréenne sur Azuna. L'archimage Vargoth m'a demandé de requérir l'aide de Meryl pour tirer cette affaire au clair. Mais ce dernier est manifestement trop malade pour faire le déplacement. Pourrez-vous y aller à sa place? Vous devez prouver votre sincérité pour que l'on vous laisse entrer. Nous devrions pouvoir trouver quelque chose qui fera l'affaire dans le camp de guerre des Glisfiel sur Azuna. Bon, vu que on n'a pas encore. Il faut vous reposer. Mage, à très bientôt sur Azuna. Merci de prendre le relais. Vu que on n'a pas encore commencé Azuna et qu'on a fait que Orok et Valshara, je crois. Azuna, c'est la zone qu'on va faire clairement en dernier, parce que c'est une de mes zones préférées. En fait, par si je devais faire un classement des zones actuellement dans l'extension, je pense que je mettrais Valshara, Azuna, Orok et Thorneim. J'aime vraiment pas Thorneim. Enfin, c'est pas que j'aime pas Thorneim, mais je trouve que c'est une zone très longue, très très longue. C'est vraiment une très très longue zone. Et c'est pas spécialement, si c'est amusant parce que bon, les quêtes, enfin, les quêtes sont assez fun. On est bien en. Pas de conneries. On est bien en Valshara. Ouais. Bonne chance à vous. Les quêtes sont fun, hein, attention. Et on a des quêtes assez, assez drôles et la suite de quêtes en elle-même est plutôt pas mal. Mais les vricules et tout ça, bah, moi je suis pas spécialement fan, quoi. Clairement, moi, les véhicules. Ah, bah, on avait de la provenance arcanique et un élémentaire d'eau à récupérer. Bah, c'est pas grave. Moi, les véhicules, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et comme c'est beaucoup ce qu'il y a en fait en Thorneim, hein, et comme vous pouvez le voir, mais laisse-moi faire. Vous pouvez le voir, c'est une as. Mais bordel! C'est une assez grande zone. Oh, bordel, la chienne. Thorneim est une assez grande zone. Avec énormément de trésors. Je crois que c'est la zone où il y a le plus de trésors. Pas de bêtises. Je les ai faites. Hein, voilà. Je l'ai fait sur mon perso principal. Donc aujourd'hui, quand j'enregistre, on est le 4 octobre. Cette vidéo sortira normalement le 6. Donc dans 2 jours. Et bah, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait certains au fait avec mon prêtre ou avec mon chasseur de démons, qui sont tous les deux niveau 100. 10. Donc voilà. Mais alors, il y a 60 trésors en Thorneim, 40 trésors à Orok, 35 trésors à Azuna, et 40 trésors en Valshara, 45 trésors à Suramar. Donc c'est là la zone, c'est vraiment une grosse zone, une très grosse zone. Après, je reste persuadé qu'il y a d'autres grosse zone aussi. Mais là, Valshara, Thorneim, c'est vraiment une grosse zone. Selon moi, c'est vraiment LA grosse zone. Modera. Ah oui, Modera est avec nous, c'est juste. On l'a mis en garde du corps.
Donc, c'est vraiment une grosse zone tournée, mais et bon, c'est pas que je suis pas spécialement fan, mais voilà, je préfère des zones un peu plus petites, avec un contenu peut-être un petit peu moins riche, mais... Alors, je n'apporterai mon aide à Scénarius que lorsque mon bosquet sera hors de tout danger. Xandris, le déshonoré, a été parmi les premiers à trahir ses frères et à accepter la malédiction de Xavius. Pendant la Grande Guerre, il a été responsable du massacre d'un grand nombre de mes plus chers amis. La dernière fois que je l'ai croisé sur le champ de bataille, il s'est enfui. Aidez-moi à débarrasser enfin le monde de cet être abject. Puis Xandris, le déshonoré. Ok, pas de soucis. Et en plus, on a une... Comment ça? Moi, je suis là. Voilà, moi, je libère des gens. Alors, on va faire un petit peu de lore en ce moment. Il faut savoir que Xavius est pas un personnage inconnu dans le monde de World of Warcraft. Alors, pourquoi je dis pas inconnu? Parce que, dans mon souvenir, je pense pas qu'il apparaît dans le jeu. Mais, on en a déjà parlé. Un peu comme... Aja, ouais, c'est ça, la reine Aja. Elle apparaît dans le jeu, puisqu'elle est dans un donjon. Vous serez plus combatif qu'il ne l'était. Mais, ah, d'accord. D'accord, donc j'étais en train de le DPS et... Ok. Ok, ma gueule. Donc, Xavius, en fait, est le bras droit d'Ajara. Donc, à l'époque où Ajara, Malfurion et Tyrande étaient d'ailleurs à Sur'Amar, Ajara était la reine. Et... Comment je pourrais dire ça? Elle était carrément totalement obnubilée. pour le coup, ça je savais pas trop. Elle était carrément obnubilée par le puits d'éternité, qui était donc à l'époque de The puissance magique. Là par contre on prend vraiment trop cher là. Ça ne va pas. Pauvre idiot, vous avez déjà perdu. Ouf. Heureusement que un mec est venu nous aider quand même. Parce que sinon c'était la mort assurée. Il est venu nous aider, heureusement. Je protège la nature. Xandris a enfin payé pour ses crimes, mais sa mort ne ramènera pas les innocents à qui il a ôté la vie. Xandris est mort, mais nous avons d'autres ennemis à affronter si nous voulons sauver mon bosquet. Pendant la Grande Guerre, Khaxraxis a pris un malin plaisir à corrompre les terres qui abritaient autrefois son foyer. Sans la stupide clémence de mes compagnons druides, je l'aurais tué de mes propres mains. Trouvez-moi ce démon et que justice soit faite. Vous devez accomplir cette tâche seul, car je sens ici une présence encore plus sombre. Une présence dont je vais devoir m'occuper personnellement. D'accord. Hâtez-vous. La petite régène. Quand Khaxraxis sera mort, je sens une présence encore plus sombre dans les parages. Et c'est bien sûr là en haut qu'il y a. Bah oui. Bah forcément. Forcément que c'est là en haut. Besoin d'une cible. Je n'ai pas de cible. Parce qu'on va faire la... L'objectif bonus en même temps, hein, tant qu'on y est. On est dans la même zone. Donc, reprenons où on en était.
La fameuse reine Ajara, complètement omnubilée par le puits d'éternité, avait répondu à l'appel de Cerveras. En fait, Xavius a été le premier à vraiment, je veux dire, à vraiment se mettre du côté d'Ajara. Et c'est pour ça qu'elle l'a considéré pendant très longtemps comme son bras droit. Après ça, bien sûr, Malfurion, lui, a décidé de... Donc quand a eu lieu, je crois que c'est pendant la guerre des anciens, quand la guerre des anciens a eu lieu, le puits d'éternité a dû être détruit et que... Je dois d'abord choisir une cible. Nordrasil a été corrompu. Malfurion a décidé d'enfermer Xavius dans le rêve d'Emeraude sous la forme d'un arbre. Après quoi, Xavius s'est un peu vengé quand Malfurion a fait son long voyage dans le rêve d'Emeraude et l'a transformé lui-même aussi en arbre. Qui empêchait Malfurion, en fait, de faire quoi que ce soit. Parce que quand vous allez dans le rêve d'Emeraude, en tout cas en tant que druide, quand vous allez dans le rêve d'Emeraude, vous êtes sous une forme omnisciente. C'est-à-dire comme si vous étiez... C'est comme si en fait on vous prenait votre âme, d'accord, et qu'en fait on la mettait dans un monde à part. Et ben voilà. Là, Malfurion, c'était la même chose. Il pouvait pas se défendre parce que forcément son âme était autre part, était dans un autre monde. Et donc Xavius lui en profitait pour carrément corrompre tout le rêve d'Emeraude. Corrompre tout le rêve d'Emeraude et le rêve d'Emeraude étant la projection d'Azeroth dans un autre monde, de ce que devrait être Azeroth si toutes les villes et créatures n'étaient pas présentes, et bien forcément, le rêve d'Emeraude n'étant pas habitué à un tel assaut de haine et de colère et de haine plus qu'autre chose, en fait, au final, le rêve d'Emeraude est devenu le cauchemar d'Emeraude. Et vu que le rêve d'Emeraude est un peu relié à tout le monde va dans le rêve d'Emeraude à un moment ou à un autre. Par exemple, les plus grands maîtres d'Azeroth, ça comme ça, comme à l'époque de Varian par exemple, eh bien eux allaient aussi dans le rêve d'Emeraude. Mais pas de la même manière que les druides, par exemple. Les druides, eux, pouvaient avoir une belle communion avec le rêve d'Emeraude, là où les autres allaient dans le rêve d'Emeraude, mais juste pendant qu'ils étaient en train de dormir. Et donc, en rêve. Et du coup, vu que le rêve d'Emeraude était corrompu, les gens n'osaient plus dormir. Parce que s'ils s'endormaient, eh bien, ils ne se réveillaient plus, puisqu'ils étaient sous le contrôle de Xavius, qui était dans le rêve d'Emeraude. Et donc Malfurion, lui, il n'arrivait pas à se libérer. Donc, mais c'est Malfurion quand même, faut qu'on se le dise, tu vois, Malfurion égale badass. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Xavius prendre le contrôle et lui faire croire que c'était, comment dire, que c'était, il avait le contrôle. Et à côté de ça, il a contacté une orque pour qui il s'est fait passer comme le tueur de son oncle. Alors cet orque, je ne me rappelle plus du tout son nom, mais je me rappelle du nom de son oncle. C'était Broxigar. Et Broxigar, c'est un orque assez connu dans le monde de WoW, parce qu'il a une hache assez célèbre, je crois. Je ne me rappelle plus du nom de sa hache, malheureusement, mais je sais qu'il a une hache assez célèbre. Et dans le bouquin, qui s'appelle Hurlerage d'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ça dans Hurlerage, elle a la hache de Broxigar. Et donc, en fait, elle arrive à aller dans le rêve d'Emeraude avec sa forme physique et à trouver Malfurion. Là-dessus, elle décide de le tuer. Mais c'est à ce moment-là que Xavius se rend compte de la manœuvre et il arrive trop tard et l'orque libère Malfurion. Malfurion lui explique qu'en fait tout ça n'était qu'une mise en scène, qu'il n'a pas tué Broxigar, que Broxigar est tombé au combat face au démon. Et c'était totalement une manipulation de sa part afin de pouvoir,
afin de pouvoir être libéré. Et donc en fait l'elfe, l'orc le libère et tous ensemble, eh bien, ils réussissent à libérer le rêve d'émeraude et à repousser toute la corruption cauchemar d'émeraude dans une espèce de petite faille. Et à mon avis, ce qui s'est passé ici, c'est que bon bah là vous voyez que si c'est censé être une représentation du rêve d'émeraude, ça ressemble plus du tout au rêve d'émeraude. Le rêve d'émeraude est censé être vert. Là c'est une couleur rouge, rouge sang. Comme ça, avec des diablotins du cauchemar. Donc, c'est clairement le cauchemar d'émeraude. Et je pense que cette faille a ressurgi avec le temps. Et que, vu qu'il n'y avait personne d'assez fort, type Malfurion, pour pouvoir la contrôler, eh bien, la faille a ressurgi et Xavius a repris du pouvoir, malgré le fait que Malfurion ait tenté de l'en empêcher. Je te moutonne. Je ne peux plus te moutonner parce que le sort n'est plus valable. Donc je te... Ah mais d'accord, la cible est incorrecte. Ok, c'est pour ça que je pouvais plus te moutonner. Ok, sorry. My bad. Merde. Ah ouais. Ouf. J'ai failli mourir. Ouais. Par contre, alors du coup, je vais remettre le morph. Métamorphose en mouton. Ouh. Je vais mettre ça comme ça. Ça devrait être pas mal. Hein. Hop là. Donc voilà, c'était le petit instant lore. Alors moi j'aime beaucoup le lore de WoW, hein, mais c'est un lore. Oula. Ah ouais, d'accord, on a carrément fini en fait. Ah bah nice. Nice. Et donc du coup, où c'est qu'on doit aller? Ah non, on doit descendre. On doit descendre ou monter d'un truc. Clairement ça va pas le faire. J'ai de la chance de devoir passer. Enfin, là, je vais surtout aller prendre les secrets en fait. Mais c'est caché là derrière ou je sais pas trop où. Allez. Justement éviter d'aggro, ce serait pas mal. Tout pour ce genre de conneries quoi. Vous avez besoin de quelque chose? J'aurais bien besoin de ton aide, ouais. Mon avis, ça doit être là. Oh, donc on va passer par ici. Je vois pas vraiment d'autres chemins en fait. Et c'est pour ça. De toute façon, on va passer en invisible d'ici 2-3 minutes. Voilà. Mais genre. Juste au moment où je claque l'invisibilité, quoi, y a plus personne. Genre moi j'étais attaqué, quoi. Chers amis, c'est la fin de cet épisode. On fera le reste de la quête
au prochain épisode. Prenez soin de vous, faites bien les geeks. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, vous connaissez le topo. Hein. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Et on va éviter de se faire attaquer. On va d'abord les tuer quand même. Histoire de... Ouais. Et on va en profiter pour du coup faire la régène pendant que je vais nommer l'épisode. Voilà. Youp la boum. Allez, salut à tous.